Journée nationale du sport scolaire, c'est devenu une institution maintenant, depuis plusieurs années. Et ça réunit plus d'un million d'enfants, d'élèves dans toute la France. Donc aujourd'hui, je me suis déplacé pour voir une de ces manifestations où on montre plusieurs sports dans la journée aux élèves. Et c'est formidable, a fortiori dans la perspective de Paris 2024, qui doit nous permettre de faire la promotion du sport, de l'éducation physique et sportive dans toutes nos écoles, tous nos collèges et tous nos lycées. Le fait d'avoir les Jeux Olympiques, en fait, ça va permettre, je pense, à ces jeunes d'avancer. Ils ont la chance de pouvoir vivre une manifestation. Ils vont pouvoir peut-être même la vivre de l'intérieur pour certains. Donc, je pense que c'est juste tout bénef pour eux parce qu'ils ont quelque chose en ligne de mire et puis ils vont pouvoir avancer par rapport à ça. J'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques 2024 au football. Les Jeux Olympiques, ils seront vraiment à la maison, ce sera ancré, ce sera affiché partout en France dans 7 ans. Et ça, il faut le préparer. On a fait des plans vraiment intéressants pour impliquer vraiment les enfants au cœur de ces Jeux Olympiques-là pour qu'ils soient les plus magnifiques possibles. Le sport, c'est important à l'école parce que pour avoir de l'énergie, avoir des amis. Le sport, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps pour garder une bonne santé. Je fais du sport à l'AS. Le rugby. Le sport, ça, c'est bouger, le sport, c'est vivre, c'est transpirer, c'est faire des efforts, c'est utiliser aussi son cerveau. Pour les jeunes, surtout, je pense que c'est quelque chose par lequel il faut passer. J'aime bien faire du sport à l'école parce que ça me permet de me défouler. Ça permet de garder la pêche, avoir un grand physique et... Se préparer pour les sports au-delà de l'école. Le sport est l'activité la plus fédératrice qui existe, permettant à tous les jeunes, quels qu'ils soient, garçons, filles, handis, valides, de partager une même passion sous un même maillot. C'est la célébration des valeurs du sport, qui sont en fait les mêmes que celles de l'éducation, c'est-à-dire le dépassement de soi, le respect de l'autre, le sens de l'équipe, le partage. Tous ces éléments qui sont presque spontanés dans le sport sont aussi les valeurs de l'école, et c'est pourquoi il y a une telle convergence.